there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Et la petite, justement, référence à Fort Boyard. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez pour le mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, du PVM, on va surtout parler, donc dans quelques minutes, je vais vous parler, donc comment, justement, personnellement, je vois les choses pour se préparer à la fusion des serveurs. Avant tout, bon, en fond de gameplay, je vous propose donc un petit donjon, donc Capitaine Écarlate. Donc bon, donjon, évidemment, de la dimension Srambad, donc niveau 130, pas très compliqué. Pourquoi je fais ce donjon? Tout simplement pour les succès. Parce que ma team, les amis, finalement, ça avance pas trop mal. J'arrive quasiment, bon là, je suis à 3500 points de succès sur ma team. Il faut savoir que, je pense que vous n'avez pas oublié que je m'étais justement donné des objectifs vis-à-vis de la team. Rien que le premier objectif était de passer à 14 000 points de succès sur le CRA, ça a été fait, vous saviez tous, mais enfin, vous savez tous maintenant. La team est à présent à 3500 points de succès, donc je viens de faire l'exploration tranquille. Là, je tape les donjons, donc je fais vraiment un maximum de donjons avec ma team. Donc, c'est pas plus mal parce que finalement, ce que je suis en train de vous raconter là, vous allez me dire, mais Joy, arrête de nous raconter tes trucs avec ta team, on s'en fout. Eh bien, figurez-vous que ce que je vous raconte là, ça a un rapport avec la fusion des serveurs. Eh bien oui. Pourquoi? Tout simplement parce que la première étape, moi, ce que je me fixe, moi, personnellement, ce que je fais là, premièrement, ça m'avance au niveau des succès. Deuxièmement, ça m'avance au niveau des kamas. Puisque oui, les succès, les amis, ce sont justement des kamas, entre guillemets, à retardement. Ça va venir. Rien qu'en faisant des donjons, justement, on a plein de ressources. Donc là, vous pouvez voir un magnifique tourchotage du pauvre Capitaine Écarlate, donc des flamiches qui montaient à 1000, c'est... Voilà, ça c'est la puissance du crâne, mais bref. Une petite parenthèse, tout ça pour vous dire que, les gars, tout ça c'est un rapport. Les succès, les kamas, l'XP, en réalité, quasiment tout est lié dans Dofus. Bon, les quêtes, ça dépend, les quêtes, elles sont liées à des fois quelques kamas, quelques XP, même si c'est... Je trouve les quêtes, bon, c'est pas non plus quelque chose de folichon sur Dofus, mais finalement, les gars, là... Vraiment, la première étape à la fusion des serveurs, je pense, c'est de stocker. Le stockage, un maximum. Pourquoi le stockage? Bon, j'en ai un petit peu marre de vous le répéter, mais vous le savez, tout comme moi, mon serveur est mort comme beaucoup de serveurs. Le but, c'est pas de vendre, parce que bah, premièrement, vous allez tout simplement galérer à vendre. Mais le but, c'est justement de stocker un maximum. Donc, le maximum de ressources que vous pouvez, vous stocker en banque. Pourquoi? En fait, je vais vous expliquer, c'est très simple. Lors de la fusion des serveurs, il y aura tout simplement 10 serveurs environ. C'est évidemment un chiffre bon, qui peut être largement modifié par Ankama. On ne sait pas, ça peut être 8, 9, 10, 11. On ne sait pas trop, on verra bien. Ça dépend justement de la popularité de chacun des serveurs, mais surtout du nombre de personnes dans chaque serveur. Mais bref, on va dire qu'environ, c'est tout simplement 10 serveurs qui vont fusionner en un. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura, du coup, 10 mondes des 12? Parce qu'il faut savoir une chose. C'est que finalement, on se dit que, bah, c'est simple, il y aura tout simplement 10 fois plus de personnes sur un serveur plutôt qu'actuellement. Et bien en fait, bah, en gros, c'est quasiment ça. Dans le sens où, par exemple, les minerais, au final, il n'y aura pas 10... Enfin, Ankama ne va pas créer 10 minerais. Par exemple, admettons qu'aujourd'hui, nous avons, je sais pas, je dirais, donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Ankama ne va tout simplement pas bouger le nombre de mines disponibles, le nombre de ressources, que ce soit d'ailleurs les mines, ou que ce soit d'ailleurs le nombre de bois présents. Donc tout ce qui est métier de récolte, que ce soit paysan, que ce soit, enfin bref, tout ce que vous voulez, mineurs, bûcherons, tout, même alchimiste, le nombre de ressources disponibles, c'est-à-dire le bois, par exemple, le frêne, le fer, enfin bref, toutes ces ressources-là que l'on... Comment dirais-je? Que l'on chope, justement, que ce soit dans les mines ou sur les maps d'Andofus, eh bien, ce nombre de ressources va tout simplement rester le même. Ce qui veut dire que... Enfin, je veux dire, c'est mathématique, les gars. Si
on est 10 fois plus, mais que le nombre de ressources disponibles n'augmente pas, eh bien figurez-vous que les prix vont augmenter d'une vitesse folle. Un petit peu comme les prix sur Hagrid, qui sont largement abordables. D'ailleurs, là, j'ai eu vraiment une séance de bug. Je me suis un petit peu énervé sur le coup. Je me suis dit, non, en plus, il y a le châle. Donc, pourquoi est-ce qu'ils me font ça? Mais bon. Bref, pour en revenir justement à la question de la fusion des serveurs, comment bien justement préparer ça? Moi, comme je vous l'ai dit, la première des choses, c'est de stocker un maximum. Et pas forcément en métier, je le fais en métier à côté, mais la première des choses que je fais, moi, c'est les succès. Je me dis, les succès, forcément, ils vont coûter super cher avec le temps. Donc, évidemment, les premiers jours de la fusion des serveurs, tout le monde sera un petit peu émoustillé, tout le monde sera un petit peu déboussolé, on ne saura pas vraiment quoi faire, on va tous, sans doute, se diriger vers les HDV et vendre en masse. Alors ça, moi, personnellement, je compte pas faire ça parce que c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Tout le monde fera ça, les prix vont tout le temps baisser et finalement on ne vendra pas assez. Moi en tout cas c'est mon hypothèse, c'est voilà comment est-ce que je vois les choses. Je me dis que finalement il vaut mieux un petit peu attendre, ça se trouve il y aura des rollbacks, on ne sait pas. Ça se trouve le jeu sera complètement buggé, quelques jours après il y aura des rollbacks de ouf. Donc finalement tout ce qu'on va faire ça ne servira à rien. Là les gars je présente un petit peu quand même ce que je fais. Là c'est un donjon fractal, donc classique, il me semble que c'est Xelorium, niveau 120-130 je crois. Donc j'ai fait le succès, je crois c'est premier... Non, je sais plus c'est quoi le succès. J'ai fait les scores 300, tout ça, mais bref. Pour en revenir justement à la fusion des serveurs. Encore une fois, moi je rush les succès. Après vous pouvez faire ce que vous voulez. Enfin, moi c'est mon avis à moi. Je vais vraiment stocker un maximum. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais depuis le niveau 1 avec mes persos, je n'ai jamais accepté aucun succès avec toute ma team. Donc là j'ai 3500 points de succès à accepter. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez énorme. Il me semble que c'est... Je crois que c'est Blitzkrieg, ce qu'il faut faire. En plus, c'est cool, je l'avais en châle. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Mais bref, moi, du coup, mon objectif, là, actuellement, lorsque je me connecte sur bêta, c'est tout simplement de rush les 6000 points de succès sur ma... pas 6000, 8000 points de succès avec ma team. Même si ma team n'est stuffée que, on va dire, pour niveau 150. Ma team est 197 actuellement, mais elle est stuffée pour niveau 150. Je sais, c'est tout simplement parce que je n'ai pas de thunes. Et oui, vous savez, après un hack, après un ban, eh bien, il faut savoir se refaire, il faut pas savoir se lamenter comme un faible, si j'ose dire, même si c'est vrai que beaucoup de personnes auraient sans doute arrêté Dofus. Moi, bon, ça m'a grave démotivé, je vous le cache pas, mais bon, ça c'était maintenant il y a un an, voilà, je suis passé à autre chose. Mais voilà, donc j'ai parlé des succès, j'ai parlé des métiers, j'ai parlé du stockage, tout ça c'est très important les gars, vraiment. D'ailleurs là j'ai vraiment eu chaud pour le châle et les succès de Blitzkrieg. Ce qui compte le plus, c'est justement de se préparer mentalement et de se dire, enfin, surtout ne pas se dire, oh, bon bah j'arrête de jouer, j'attends la fusion des serveurs. C'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je me suis dit, c'est la meilleure chose à faire. Mais en fait, finalement les gars, en faisant ça, on sera tous perdus, je peux vous l'assurer. Parce que vous dites, bon, j'attends la fusion des serveurs et je vais voir comment ça se passe. On attend tous de savoir comment ça va se passer. Mais avant ça, en tout cas, moi, encore une fois, cette vidéo, bon, je m'adresse surtout aux personnes qui ont besoin de Kama, qui ont besoin de savoir quoi faire, surtout pour s'optimiser un maximum en ce qui concerne les Kama. N'attendez pas la fusion des serveurs pour vous bouger le cul et à geeker comme un gros porc. Il faut justement geeker avant que ça arrive pour justement avoir le maximum de ressources, le maximum d'items ou pas. Moi personnellement je ne craft pas, je sais que pourtant c'est une mine d'or le craft, mais bon ma team voilà, je la joue comme je peux, je fais comme je peux avec ce que j'ai. Tout ce qui est élevage c'est pas pour moi, tout ce qui est FM, bijoutier, corps dommage, tout ce que vous voulez, tout ce qui est FM, bref c'est vraiment pas pour moi les gars. Mais par contre tout ce qui est farming, ça je m'y connais, j'adore le farming et c'est justement ce pourquoi, c'est la première raison pour laquelle j'ai créé cette team. Le farming, j'ai toujours aimé. En fait, j'ai toujours préféré être débrouillard, franchement me débrouiller tout seul et ne pas justement être dépendant des autres parce que les autres lag, parce que les autres ne jouent pas forcément bien en aucun cas. Je dis que je suis un pro, etc. Enfin voilà, c'est... Vous savez ma façon de penser, mais lorsque vous avez des gens qui ratent des châles... Tout le monde a déjà raté des châles, je dis pas que, enfin, moi-même j'en rate des bidons, ça m'arrive. Mais le problème c'est que quand ça arrive, alors qu'on pourrait éviter ça en ayant une team, on se dit tout de suite mais pourquoi est-ce qu'on fait pas une team? Enfin, je pense que vous m'avez compris dans ma façon de voir les choses. J'ai la possibilité de faire une team, j'ai la possibilité de rusher comme un,
entre guillemets, comme un geek, de jouer à fond de mon côté, de pas déranger les autres et de me connecter surtout à n'importe quelle heure. Je pense que c'est ça surtout ce qui compte le plus. Je me co à n'importe quelle heure, je peux faire des donjons à n'importe quelle heure. Alors que être monocompte, on dépend des autres. Alors, ah voilà, bon, moi, chacun voit sa façon de, des choses tout simplement. Enfin, moi je vois les choses comme ça, après voilà. En tout cas, bah les gars, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère franchement ce genre de vidéo vous plaît. Si à l'avenir vous voulez plus de vidéos de ce genre, c'est-à-dire un peu de réflexion, on va dire conseils aussi. Et si vous voulez, bon, je peux vous, éventuellement essayer de vous dégoter des techniques Kama, des techniques qui marchent. Je sais que je vais rien inventer du tout. Je vais tout simplement essayer de reprendre des techniques pourquoi pas connues. Mais ou bien des techniques à moi tout simplement que je pourrais trouver qui seraient assez sympas. Mais moi, comme vous savez, c'est du farming. On vend les ressources, même pas en craft, non, tout ce qui compte, on vend les ressources et bon, si on peut crafter et qu'on trouve quelqu'un qui peut nous le craft pour pas trop cher, pourquoi pas. Mais voilà les gars, encore une fois, restez concentrés, la fusion des serveurs arrive. Là on se dit tous, ouais, ça viendra pas avant septembre. Je sais pas, peut-être que vous avez raison, mais peut-être que ça peut venir dans une semaine, vous savez, avec Ankama et leur communication, on n'est pas au bout de notre surprise. En tout cas, bah les gars, bah écoutez, je vous laisse sur cette fin de combat, moi ma team, je la kiffe, tout simplement. Là, au moins, ce qui est cool, c'est que vous voyez. Vous voyez, parce qu'avant, quand j'étais youtubeur avec mon début de team, bah j'avais même pas ça, même pas 300 abonnés, là j'en ai 30 000, donc... Enfin, environ, et là bah au moins vous voyez que ma team, je la commence, voilà, elle était niveau 1, elle était devant vous, et vous verrez, moi tout ce que je dis c'est que vous verrez quand elle sera super au petit 200, etc, full exo. Mais je vous parle de ça, mais les gars, je vous assure, hein, ça arrive cet été, ouais, je dirais que cet été elle sera super au petit. En tout cas, bah je vous souhaite une bonne vidéo, n'hésitez surtout pas à bombarder les likes, ça me fait super plaisir quand je vois beaucoup de likes, beaucoup de commentaires positifs. Je vous fais de gros bisous, et puis bah je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures stéréotypiques. Ciao les gars. La vérité c'est que je suis autant obsédé par l'argent que je suis tôt. Totalement pété, gros pété. Viens prendre ta cons avec Nabil, on n'est pas à 11. Oh là là, un verre pour le salaire, et je sers même le week-end. La putain de sa mère.